Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo sur Cities Skylines. Alors aujourd'hui, on va essayer de régler tous nos petits problèmes qu'on a ici et j'aimerais également peut-être relier notre autoroute là, vers là-bas peut-être. Ça pourrait être pas mal, juste en fait histoire de que tout le trafic ne passe pas par un seul endroit et puisse passer par plusieurs endroits. Ouh! J'avais du mal. Ok, donc si on continue, imaginons comme ça, on va mettre une sortie d'autoroute là. Alors, est-ce que la sortie d'autoroute, je pourrais pas prendre celle que j'ai toujours trouvée dinguissime? Ah ouais, il y a celle-là. Celle-là, elle est génialissime. Ha. Elle est belle, mais je sais pas comment l'utiliser, quoi. Enfin, si, je sais. Je pourrais faire ça et puis faire partir de l'autre côté. Ouais, on va faire ça, les amis. On va faire ça parce que je la trouve vraiment superbe. Et autant s'amuser. Alors, on va vraiment supprimer une bonne partie ici. On va voir comment on va tout agencer. Alors, on va peut-être juste tirer. Alors, c'était encore désactivé, ouais. Peut-être juste, vous voyez, 180, voir ce que ça donne. Comme ça, on a une idée à peu près de où on devrait le mettre. Alors, vous voyez, on devrait le mettre genre là. Aussi supprimer les trains, hein. Enfin les rails de train. Yes. Alors c'est des petites autoroutes. Ok. À chaque fois, c'est des doubles et des simples. D'accord. Alors ici, c'est des triples. On va voir ce que ça va donner. On va voir. J'espère que ça va bien donner, hein. Ce serait con, quoi. Alors, tout mettre en simple, ça ira pas. En triple, ça n'ira pas. Mais c'est pas trop trop grave dans le sens où on peut. Alors juste, je peux pas être en sous-sol. Mais on peut vraiment faire dans ce sens-là, c'est pas trop trop grave. Ok, on va juste reconnecter les rails pour pas que ça crée trop de problèmes. Alors à chaque fois je suis en sous-sol, c'est assez chiant. Voilà. Ça c'est parfait. Bah écoutez. Ce qu'on peut déjà faire. Alors oui, déjà, on va faire une chose, c'est qu'on va transformer la route qui était simple là, on va déjà la transformer en double. Autant une double, je veux bien, mais une simple, bof quoi. Ok. Alors maintenant, on va.
Écoutez, est-ce qu'on tenterait pas d'abord le coup comme ça? Voir ce que ça donne. On va juste connecter. Alors, un peu spécial. Et là, il y a une triple voix. Et là, c'était une double. Donc, c'était comme un peu une sortie, en fait. Ah, mais je supporte pas. Hein. Enfin, ça, c'est super pour ceux qui n'ont pas de mode, etc. De faire dans ce style-là, pour qu'il y ait à chaque fois deux lignes. Mais je déteste ce genre de design. J'aime vraiment pas. Ok, on va transformer notre route ici. Parce que du coup, bah, c'est prêt. Ah ouais, c'est vrai. On va... Alors, ouais. Attendez, attendez. On va d'abord faire comme ça. Ensuite, voilà, on va en faire un pont. Parce que vous voyez, c'était encore dans le style tu dois être au sol. Tu dois, ouais, tu dois être au sol, du coup, ça a créé un énorme truc. Mais normalement, c'est bon. Ok, est-ce qu'on tente? Play. Alors, voyons voir si on va avoir de la route. Une route qui va passer par là ou pas. Ah, ça commence, ouais. Super. Génial. Comme ça me permet maintenant de vraiment avoir des petites choses. On mettra sûrement une sortie d'autoroute ici. Parce que bah, ça fait très très loin. Enfin, ça fait longtemps. Sinon. Pas encore assez de travailleurs. Est-ce que... Ouais, il n'y a pas assez de travailleurs. Maintenant, je vous avais dit que je ferais bien une petite... un petit truc ici. Donc on va le faire. Tirer ça comme ça pour le moment. Je sais pas trop ce qu'on va faire. Hein. Je crois même qu'on va d'abord faire une route en plus comme ça. Voilà. Ok. Alors, ce qu'on pourrait faire déjà, plus ou moins. Alors, j'ai pas envie de faire une ligne droite, donc on va plus partir. On pourrait faire comme ça. Ouais. C'est parfait. Alors, je sais pas si là ça va être tout un quartier parce que ce sera très très grand. Donc, on peut faire ici une petite séparation. Alors, je mettrais bien là un quartier d'habitation, mais le problème c'est que ça va faire beaucoup de bruit. Donc, je le mettrais bien peut-être ici. Et on ferait peut-être. Des commerces ici ou quoi? Parce qu'on va mettre des habitations là, ça c'est sûr. Voilà. C'est super. On va mettre comme ça. Comme ça, et je crois que c'est plutôt pas mal. Je vais remplir toute la zone ici. Super. Voilà. Ok. On va mettre de l'eau. Parce qu'il n'y a pas d'eau. Il n'y a aussi pas vraiment de transport en commun à part là, quoi. Alors je vais juste connecter comme ça. Ici. On va commencer à mettre. On va mettre juste. Des petites habitations, des petits trucs comme ça, voilà. Juste histoire de faire une possible liaison si on en a besoin. Alors, il y a besoin de travailleurs, il y a aussi... Alors, j'avais vu ça quelque part, je ne sais plus où. On a un problème d'eau quelque part. Vous avez vu?
Je ne sais pas où. Ah là. Sérieux, le petit coin là. Bon ben voilà, c'est réglé. Alors est-ce que... Vous savez quoi? Je mettrais bien... Je créerais bien un quartier ici juste pour avoir des statistiques intéressantes. On va faire toute l'île, hein. Hop. Voilà. Alors, pas de résidents, blablabla. Ici, les zones augmentent bien. Valeur foncière 12, 12 argent au mètre carré. Employé 800 sur 960. D'accord, je croyais qu'on allait avoir plus d'infos sur l'argent concrètement, ce que ça générait, mais apparemment pas. Bon, c'est pas trop grave, hein, mais voilà. Alors ici, des problèmes de police. On va peut-être devoir en mettre. Hein. Ah oui, il y en a pas du tout là? Oh, ah ouais. Est-ce que si je mets ça là, c'est assez intéressant. Hein. Alors peut-être que c'est mieux de le mettre là. Sur une grande route directement. J'en mettrais bien un là et un ici. Voilà, ça devrait être plutôt pas mal. Alors, tout ce qui est ambulance. Ok. Je mettrais bien un genre de dépôt. Une installation de transfert de déchets ici. Alors, je mettrais peut-être là. Alors pas assez d'employés, oui je sais, je sais. Et l'argent a bien diminué hein, quand même. Quand on regarde tout ce que ce qu'on a dépensé aussi, c'est normal. Problème de poubelle, évidemment. Il fallait s'en douter, là c'est vraiment au bout du bout du bout quoi. Ok. Et on a là aussi. Alors est-ce que ici c'est toujours autant le bordel? Est-ce qu'il y a toujours autant de trafic? Oui. Peut-être qu'il faudrait qu'on en mette un deuxième. Parce que c'était dans mes idées à un moment donné de vraiment en mettre un deuxième. Donc on aura une autoroute qui va faire aussi comme ça. Et celle-là va partir après, soit vers ici, soit vers là-bas, je suppose. Et puis on arrivera au bout, je crois. Ok. Ok. Alors, on a besoin d'avoir un quartier commercial, une zone commerciale. Est-ce que ce serait pas le moment? Alors, pas assez d'employés toujours. On a des habitations ici, on a ici une zone intéressante à exploiter. Est-ce qu'on se ferait pas notre mini marché de Noël? Alors, c'était ici. Tous les trucs qu'on débloquait, non, c'était pas ici. C'était dans le parc, je crois. Non. C'était là? C'était ici. Voilà. Regardez-moi ça. Ça, d'office, on va le mettre. Alors là. Alors, juste voir. Pour pas faire trop de bruit non plus. Est-ce que... Ouais, on va le mettre comme ça. C'est vrai que là, il touche beaucoup plus de monde, quoi. Ok, on va faire comme ça. C'est bon. Alors, on va essayer de mettre un maximum. Alors, peut-être pas un stade de hockey juste à côté. Hôtel, spa, bof. Je rajouterais peut-être bien. Alors, on n'a pas d'électricité, sérieux? Ouais. J'arrange très bien peut-être donc ici vraiment des commerces. Alors désolé, je le casse, le seul qu'on a mis, on le casse.
On va laisser comme ça. Pour le moment, je vais laisser comme ça. J'ai pas envie de trop surcharger. Alors, c'est assez moche, hein. On va pas se mentir, c'est très... C'est pas le truc le plus joli qui existe. Est-ce que je peux le bouger, vous croyez? Est-ce que je peux le descendre un peu? Ah ouais, yes. Ok, j'avais aussi une idée. Alors, dites-moi vraiment en commentaire, s'il vous plaît. Dites-moi ce que vous voulez. Vous voyez, par exemple... On va prendre cette zone-là. On va peut-être pas prendre cette zone-là. On va prendre... Cette zone-ci, par exemple. Alors, il se trouve que j'avais téléchargé... Intersection Marking Tool. Alors, comment ça fonctionne? C'est que vous voyez ici... Je peux relier chaque bande... Et créer... Voilà, par exemple, ici, vous voyez, on voit pas la bande. Eh ben, je peux dire, au lieu que ce soit déterré, je mets en solide. Et je peux dire que... Celle-là... C'est aussi du solide. Double solide, non, juste une solide normale. Et relier ça en solide aussi. Là. Vous voyez? Et ce que je voulais savoir, c'est est-ce que vous souhaitez que je fasse ça en vidéo? Alors on va mettre ça en tiret. Ou en tiret. Ici, en solide. Alors, je veux juste savoir ce que c'est un truc, c'est dents de requin. Donc attendez, de là à là. Solide étiré. En dents de requin. Ah oui, ça c'est pour laisser l'espace. Donc, vous voyez, on a ça. Et puis alors, je vois ici remplisseur. Je sais pas ce que c'est. Mais vous voyez, bon alors, c'est pas le plus beau truc que j'ai pu faire. Mais je trouve ça vachement sympa en fait. Passage pour péton, remplisseur. Alors, maintenez Alt. Alors je sais pas ce que c'est. Voilà. Vous voyez ça? C'est le genre de truc que je trouve trop stylé. Alors soit on a gris, ou alors on a quoi d'autre? En solide. Ou des chevrons. Alors, chevrons, je crois pas que c'est fait pour ça. Mais voyez, ça donne vraiment bien, quoi. C'est vraiment en mode... On a vraiment une vie dans chaque chose. Alors, j'aimerais bien, vraiment, hein, je vous assure, j'aimerais pouvoir faire ça en vidéo. Mais vous avez vu combien de temps j'ai mis pour faire juste une seule intersection? Ce sera pas possible. Clairement pas. Alors, est-ce que vous le souhaitez que je le fasse, par exemple... Je fais pas une vidéo commentée, mais juste une vidéo où je le fais et elle sera hors allez, ce sera une bonus quoi, hein, en rapide, etc. Ou est-ce que vous souhaitez qu'on le fasse ensemble à chaque fois? On passe peut-être, je sais pas moi, 10 minutes, non, peut-être 5 minutes à chaque vidéo pour faire ça. Alors, ce qu'on va faire, on va maintenant... Désolé, hein, je continue en attendant. Tac. Donc cette zone-là. Voilà. Super. Et maintenant, on va dire à cette route ici. Toi, tu peux aller que là. Et toi, tu ne peux aller que là. Ils changeront après, ça ils peuvent, mais... Vous voyez ici, c'est... C'est quand même stylé. Vraiment, je suis désolé, mais je trouve ça vraiment méga stylé. Alors, je vois par contre qu'ici, ça commence déjà un peu foiré. On va se calmer. Hein. Donc, vraiment, ça ajoute un style à la ville et à notre autoroute qui est génialissime. Hein. Franchement, on va pas se mentir, j'adore. Bon, il y a des petites choses, par exemple, ici, qu'il faudrait régler. Donc voilà, dites-moi vraiment en commentaire ce que vous souhaiteriez que je fasse en vidéo, hors vidéo. Que je le fasse même hors vidéo et que bah, juste on voit la ville évoluer, ce qui pour moi me semble une des meilleures idées, hein, concrètement. Alors on va juste en profiter pendant que je parle.
Pour régler ça, alors c'était ici. Hein. Ouais. Essayer de faire un truc qui fonctionne, ou alors on va juste en sous-sol. Je crois que ce sera le mieux. On va mettre ici. On va les faire descendre en sous-sol. De remonter. Alors, est-ce que ce serait pas mieux de remonter directement là? Alors je fais ça et on remonte ici, peut-être mieux. Donc, maintenant, on va interdire de traverser partout ici. Voilà. Ils devront du coup passer par là. Super! Voilà, c'est ça qu'on avait besoin, comme ça on peut vraiment pousser les gens à venir. Alors, est-ce qu'il est rempli? 47 personnes, c'est vachement bien, c'est vachement cool. Ici, qu'est-ce qui se passe? Des petits problèmes de route. Alors, c'est assez simple. Hein. Toi, tu vas être obligé d'aller par là. Toi, obligé d'aller par là. Et puis vous vous démerdez. Ah ouais, ils peuvent sortir aussi par là. Peut-être qu'il faudra mettre une double sortie. Hein. Ouais, je crois qu'on va faire ça. Waouh, 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 waouh. Et en plus, j'avais zappé, mais on a besoin d'eau. Alors pourquoi? Ok, je sais pas ce qui se passe, mais... Ok, alors problème d'année académique et d'attractivité. On va régler ça après. On va en attendant arrêter là, parce que finalement on s'attarde et on s'amuse et voilà. On va faire deux bandes. Je sais, je suis chiant, hein, mais en fait, le problème, c'est que si je le fais pas maintenant, je vais oublier. Donc, on va juste faire ça et dire que cette bande-là va là et celle-ci, elle va là. Voilà. On va déjà commencer par ça, ce sera déjà très très bien. Ouais, ça pose problème quand même. Ça, je peux l'abaquer là. On va essayer de voir. Mais ça roule plutôt bien. On a combien de pourcents là? 81%, ça bloque un peu ici. Mais c'est momentané. Là, c'est toujours quand même
un assez gros bordel. Et la sortie ici qui pose problème. Mais... Ça va. Ok, bah écoutez, on va arrêter l'épisode ici. Merci de l'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ce serait super. Donc... Ah, attendez. Il y a un circuit fermé ici. Attendez, attendez, c'est quoi ça? Enfin. Il n'y a plus assez d'eau, quoi. C'est trop bizarre. Il y a sûrement plus assez de chauffage et que du coup, ben, ils doivent choisir entre certaines zones. Écoutez, on verra ça au prochain épisode. Merci d'avoir regardé cet épisode et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!